Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de croiser des joggeurs masqués. Vous savez, des gens qui font le jogging du matin masqués. Beaux jeunes hommes, une trentaine d'années, des belles jeunes femmes, 20-25 ans, masqués. Et là, je me suis dit, le problème du monde n'est pas le corona, le problème du monde n'est pas la politique, le problème du monde, c'est la bêtise individuelle et collective. C'est notre complète déconnexion du réel et du bon sens, quand même. Courir masqué. Je veux bien, si on est dans une tranchée en 1914, 1916, du gaz moutarde est jeté par les, je ne sais qui, les Boches, je ne sais quel ennemi, ok, là, effectivement, on est masqué. Mais là, 30 degrés à l'ombre, à l'air libre, courir masqué, on est dans l'éloge de la bêtise. C'est plus l'éloge de la folie, parce que la folie, normalement, c'est un peu d'irrévérence. Là, nous sommes dans la bêtise. Là, nous n'avons même pas besoin de dictateurs pour nous enchaîner. Nous nous menottons nous-mêmes. Nous nous menottons nous-mêmes. Donc, le moment politique que nous attendons tous pour lever cette dictature sanitaire, il viendra le jour où nous aurons, nous, fait notre révolution interne. Il faut que nous allions à la rencontre de ces covidéments, de ces covidistes, pour les calmer. Ils ont été, comme nous, surexcités. Surexcités par ce corona. Ça fait un an que la messe noire dure. Vous savez, vous prenez un chien, lui mettez des bruits de pétard dans sa cage, il devient fou. Ben nous sommes en train de devenir fous, et bêtes surtout, bêtes. Parce que là, c'est la bêtise, courir avec un masque. Donc il faut que nous ayons un geste de bienveillance. Il faut cesser, il faut juger, enfin, il faut que nous mettions des lignes rouges. On ne court pas avec un masque, il faut être ferme sur le bon sens, mais il faut quand même montrer de l'apathie, de l'empathie, pardon, de l'empathie et de la bienveillance. Sinon, nous allons devenir comme des chiens, vous savez, des chiens domestiques. Que leur maître promène 1 heure par jour. Alors ils se reniflent quand ils se croient. Ça avait des chiens dans la rue, parfois ils aboient, mais il reste des chiens domestiques, isolés, bêtes, parce que le chien, il peut vous mordre, il peut vous... Si le chien réfléchissait, il vous aurait mordu, il serait à votre place. Voilà. Donc, moment politique viendra. Aujourd'hui, c'est le moment intime. C'est notre responsabilité, ça dépend de nous. C'est notre vibration interne qu'il faut changer. C'est très politique ce que je dis là. Allez, à plus.